écrit ton dernier nom? Ton nom de famille? Tu l'écris exactement comme que ça sonne? Comme que ça... ça sonne? J'ai aucune idée. Je vais le trouver plus tard puis l'écrire. Anyway, je suis contente de te... Ouais, c'est ça, je suis contente de te rencontrer. Ouais, même chose ici. Au moins, une des choses que j'ai appris, c'est qu'elle est complètement easygoing puis remplie d'énergie. Bonjour, enchanté de te rencontrer. Mon nom est Chihiro Fujisaki. Ultimate Programmer. Désolé, je viens embarrasser n'importe quand qu'il faut que je m'introduise comme ça. Anyway, j'espère qu'on va pouvoir bien s'entendre. Même chose ici. J'ai été enchantée de te connaître. Hein? Peut-être que c'est juste mon imagination, mais est-ce qu'on s'est rencontrés avant? Non, je pense pas. On vient juste de se rencontrer pour la première fois. D'où la raison pourquoi j'ai dit que j'étais enchantée de te rencontrer. Ah, yeah. Ouais, bon point. Désolée. Et t'as pas besoin de t'excuser pour ça? Ah, ok. Chihiro Fujisaki est connue pour tous les programmes qu'elle a créés. Elle est le ultimate programmeur. Elle aussi comme le timid little bunny type. Type qui est de son côté, qui a emmené plusieurs comme fans à la suivre. Écoute, je suis vraiment désolée. Hein? Pourquoi tu t'excuses maintenant? C'est juste parce que tu te sens vraiment fâchée. Tu dois être vraiment fâchée contre moi, hein? Non, non, pas du tout. J'étais juste perdue dans mes pensées à propos de quelque chose. Hein? Perdue dans tes pensées? Ouais, ça n'a rien à voir avec le fait d'être fâché ou quoi que ce soit. Ah, c'est bien ça. J'avais peur que peut-être que tu m'aimais pas. Ah, je suis contente. Je suis soulagée. Je commence à comprendre pourquoi ces femmes sont into her. est-ce que je peux te demander ton nom? Mon nom est Kyoko Kirigiri. J'allais oublier le dernier ri. Ultimate. Point d'interrogation. Ah, elle parle pas beaucoup, hein? Oui, tu sais. Son nom a pop arrivé nulle part dans les threads de Hope Speak Academy. Et j'ai vu qu'il y avait des étudiants comme moi. Personne qui avait pas vraiment d'identité ou de présence. Est-ce que cette fille pourrait être un de ceux-là? Qu'est-ce que tu fais à cette école? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux juste dire... être invité ici, ça veut dire que t'es un ultimate dans quelque chose, non? Fait quel ultimate t'es? Puis pourquoi je devrais te le dire? Ouais, je suppose que tu n'as pas à me le dire. Non, j'ai pas à te le dire. Alors je vais pas le faire. Il n'y a rien que j'ai trouvé online sur elle, fait que je pensais que peut-être qu'elle a été prise par chance comme moi, mais
lettre disait un. Fait que je pense pas. Hein? La lettre disait une personne, pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sa face est comme un masque de fer. Et si elle veut pas rien me dire, il y a aucun point d'y demander. Ça vaut pas la peine d'y demander. Salut, je suis Junko Enoshima. Enchantée, je suis sûre. Ultimate fashionista. Alors, sourire de killer. Ouais, pas mal, hein? Tout le monde va reconnaître celle-ci. Elle a plus de charme et de présence que toutes les filles de l'école secondaire dans le pays. C'est l'ultimate fashionista. Je l'ai vu sur des tonnes de magazines, mais... J'ai l'impression que ça... C'est pas exactement la même chose que la réalité. Hein? Ah, tu parles à propos de mes cover photos et tout? Haha, évidemment, eux sont toutes photoshopées. Photoshopées? Oui, tu sais, éditées pis tout le kit, là. Avec genre des computers pis etc. Fait qu'ils sont pas vraiment vrais. Allez, agis pas aussi surpris et tu vas me rendre toute déprimée. My time, sorry. Hein? Fait du snurf time, quoi? Ouais. Puis j'ai noyé le micro. Ok. C'est complètement normal ces jours-ci de photoshopper toutes les cover photos. Si t'es surpris par ça, tu serais complètement blown away par une certaine dangereuse little diva de nous. Mec, ils font les yeux and drunk super big. Puis ils arrangent la peau pour qu'elle ait l'air d'être céramique puis en porcelaine. Oh. Tes rêves se font détruire aujourd'hui. Mon nom est Mondo Owada. Enchanté de te connaître. Mettons, on va mettre ça poli. Ultimate Biker Gang Leader. Mondo Owara, hein? Ça veut dire... C'est le leader de toute de la plus grande biker gang dans le Japon. Il a gagné le respect puis l'admiration de plusieurs gangs dans le pays. C'est le Ultimate Biker Gang Leader. Enchanté de te connaître aussi. Oh. Hell yeah. Je devrais faire attention autour de lui. Un mauvais mot, puis je pourrais me réveiller dans le fond de l'océan. Oh, il y a juste ces quatre-là qui restent. Ogami Sakura. Je suis Sakura Ogami. Ultimate martial artist. Oh, jeez, j'ai quasiment demandé si c'était une fille, si c'était un gars.
le jour que je sors quelque chose comme ça, tout haut, et la journée que je vais me retrouver en Human Meatball. Mais maintenant, je me souviens. Elle a compétitionné? Non, comment est-ce qu'on dit ça en français? Ben, elle était dans une compétition de... Ouais, elle était dans une compétition d'art martial en Amérique, puis elle a gagné. Même si c'est une fille. Hein? Comment ça, despite being a girl? Ouais, c'est ça. C'est l'ultimate martial artist. Elle s'est battue dans plus de 400 matchs, puis elle n'a jamais perdu un seul. Le thread, il dit aussi un petit peu plus à propos d'elle. Certains vont l'appeler ogre. D'autres pensent que c'est même la relative la plus proche des primates. Le fameux Missing Link. What the hell? Ouais, c'est ça. Il y a un avertissement de tout étudiant qui vient à Hope Speak qui lit ça. Qui dit de si tu portes l'importance à ta vie, de l'éviter à tout prix. Me tenir devant elle maintenant, ça me fait penser qu'ils exagéraient pas du tout à propos de ça. Oui. Hey, yo. Commence par parler avant de dire ça. Ouais, c'est ça. Oui. J'ai snappé en attention sans même le réaliser. Puis là, elle commence à poker puis probe my body. Qu'est-ce que tu. La qualité musculaire et la quantité est à peu près celle d'un étudiant du secondaire extrêmement ordinaire. C'est décevant. T'es pas du tout fit pour être mon training partner. Je suis pas vraiment sûre que c'est vraiment triste pour moi. Mon nom est Byakuya Togami. Ultimate Affluent Progeny. Allô, enchantée de te connaître. C'est la plus basique introduction que j'ai jamais entendue. Mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire de plus à propos. Même parmi les étudiants Ultimate, celui-là il est vraiment spécial. Byakuya Togami, c'est le... Héritier, ouais. Merci. De la grande compagnie familiale. Financière, ouais. Puis dans le second conglomérat, moi j'ai lu agglomérat. Peut-être que c'est ça. Aujourd'hui. J'ai même commencé à manager le travail. Puis et ses propres. Ouais, moi, ma 7. Ouais, c'est propre à faire. Ça, c'est quoi, bonjour. Ils sont très vastes. Le titre Ultimate